Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu : pourquoi un chapeau ferait-il peur ? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait « C'est un chapeau ». Alors, je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable.
J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne, dans le désert du Sahara, il y a 6 ans, quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée.
Nous sommes des roses. Nous sommes des roses. Des roses. Des roses. Des roses. Yeah.
Et maintenant, bien sûr, ça fait 6 ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revue ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais, c'est la fatigue. Maintenant, je me suis un peu consolée. C'est-à-dire, pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd. Et j'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Alors je suis heureux. Et toutes les étoiles rient doucement. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le Petit Prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas a oui ou non mangé une rose. Regardez le ciel. Demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur? Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance.